Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Movistar Planet et on revient aux bases vraiment lointaines de la chaîne puisque ça fait un petit moment puisque aujourd'hui on va partir sur une vidéo relooking. Eh bien, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo relooking et qu'il y a eu entre-temps, je pense, pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne, je vais expliquer juste comment apparaître dans une prochaine vidéo relooking. Eh bien, c'est pas compliqué du tout. Bon, il suffit juste de mettre un commentaire dans les commentaires. Logique dans les commentaires, bien en précisant que vous voulez un relooking. Et que, tout simplement, vous mettez votre pseudo, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué de vous retrouver. Voilà, le pseudo de votre movie star. Mais bon, vu que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo relooking, du coup, j'ai, voilà, les derniers commentaires, c'est peut-être des personnes qui sont peut-être plus là, donc je préfère, pour cette vidéo-là, bon, les prochaines, ce sera bien évidemment pris dans les commentaires, mais pour celle-ci, on va juste faire un appel dans le que fit-tu en demandant si quelqu'un veut un relooking. Donc, je rappelle, je ne vous demanderai jamais votre mot de passe pour faire un relooking. Les relooking, je les fait tout simplement en vous créant un look, mais à partir de mon compte en fait. Bon, vous allez comprendre si vous regardez la vidéo dans tous les cas. Voilà, bon allez, on fait un petit appel, on va faire un petit coucou. Qui veut un relooking? Et on va attendre les réponses. Hey mon petit citron, je fais une petite pause dans la vidéo pour te prévenir, si tu souhaites soutenir la chaîne et en plus de ça d'une manière totalement gratuite, tu peux me soutenir sur mon Utip, le lien est dans la description, il s'affiche également là quelque part en bas de l'écran, voilà, donc merci beaucoup. En allant dessus, tu peux regarder une voire plusieurs publicités par jour et je rappelle que c'est gratuit et que ça soutient la chaîne et que si tu le fais, je te remercie énormément. Bon, je te laisse avec la suite de la vidéo, merci encore. Et eh bien pour le premier relooking, c'est Just Clara et on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans son placard et essayer de faire un look. Donc bon, pour ceux qui connaissent mes anciennes vidéos, vous savez que j'aime bien faire des relookings un petit peu différents que ce que la personne elle a de base. Donc par exemple, si une personne elle aime bien être tout en noir, je vais faire des trucs un peu plus colorés. C'est une personne qui aime bien être, je sais pas, habillée genre comme si elle partait au bal, bah, je vais faire un look un peu plus sportif. Enfin, j'aime bien un petit peu changer de ce que la personne fait d'habitude, mais quand même essayer de faire quelque chose qui me plaît, c'est un petit peu le but aussi, hein. Je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui aime bien mes goûts et comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire lequel des trois looks vous plaît le mieux. En général, j'en fais trois. Si je prends pas trop de temps, j'arrive à en faire trois. Bref, je vais le faire parce que sinon, justement, je vais trop parler et je vais pas réussir à faire trois looks. Alors, hop, on la fout à walpé. Hop, voilà, ok, c'est parfait. Alors, on commence toujours par ici. C'est vrai que Noël, c'était il n'y a pas longtemps, donc on va voir pas mal de choses. Un petit peu de Noël. Ah, j'ai oublié de mettre l'anti-bug, ouais. Faudrait peut-être que je le mette. Ah, t'es là, tu es là, ouais. Non, ça va me perturber, faut que j'arrête de lire les messages. Faut que je me concentre. J'essaie de me concentrer, j'aime bien le haut-là. Je pense qu'on va faire un look avec ce haut-là, j'aime bien. Du coup, il faudrait trouver un bas, un jeans, ça va. Parce que par exemple, ouais, quoique ça irait bien aussi avec ça. Mais un jeans, par exemple, je pense que ça irait bien avec un jeans. On n'est pas forcément obligé de mettre un jeans taille haute, ce serait mieux quand même. On n'est pas obligé de mettre un bas de jogging avec. Ouais, je pense qu'on va partir. Non, sans ça, parce que ça fait un peu bizarre. On va partir sur le jeans, là il me plaît bien, le jeans, le mom jeans. Ah, les baskets là, elles vont bien avec le haut, on peut peut-être trouver autre chose. Eh, ça serait stylé, genre un haut de jogging plus, oh merci pour le cadeau, plus des bottines, c'est un peu, c'est différent. On va chercher des cheveux, une petite coupe de cheveux. Avec le béret, ça fait pas beau avec cette tenue, hein, ça va pas du tout. J'aime bien cette coupe-là, on va aller voir plus loin quand même. Celle-ci est pas mal aussi. Bon, bien sûr, on va mettre les accessoires. Des fois, les accessoires, c'est ce qui fait la différence. On va regarder sur la deuxième page. Non, celle-ci, hein, franchement, celle-ci, elle est trop belle, cette coupe.
Elle est méga belle. La méga belle, belle là comme la papaye. On va mettre ses petites boucles d'oreilles et petites étincelles. C'est les nouvelles étincelles, ça, elles sont trop belles. Elles sont plus belles que les anciennes, je trouve, personnellement. C'est vrai qu'avec peut-être un petit bandana, vu qu'elle a un haut jogging, ça le fait quand même. Je pensais que ça enlèverait les étincelles, mais non, donc c'est parfait. Attendez, j'ai vu la petite écharpe. Je vais mettre la petite écharpe, par contre, du coup, on va enlever les boucles d'oreilles parce qu'elles sont trop grandes et elles rentrent dans l'écharpe, ça fait chelou. Ouais, peut-être sans le bandana, parce que écharpe plus bandana, ça fait trop, je pense. Bandana, ça fait trop été, et écharpe, ça fait trop hiver, donc ça fait un petit peu une mixture bizarre, un mélange bizarre. Oh, j'ai des amis. Eh ben, je réponds pas. Je connais pas le numéro. Ça fait trop bizarre avec la frange, on va l'enlever. On va l'enlever, on va mettre les petits cils. Et je crois qu'au niveau des accessoires, on est bien. Oh non! C'est les cils qu'ils ont enlevé l'écharpe. Attendez, moi je vais remettre l'écharpe. Bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi l'écharpe? C'est moi qui l'ai enlevé. Ah, c'est peut-être la frange. C'est soit la frange, soit l'écharpe. Ah, j'ai envie de mettre ça pour voir. Bah, en soi, ça va. Mais le problème, c'est que là, ça fait bizarre. Ça rentre dans les cheveux, ça fait chelou. On va l'enlever. Mais c'est bien comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Je pense qu'on va valider le look là. J'aime beaucoup ce premier petit look. Et comme titre, comme vous savez, maintenant je cherche des trucs un petit peu plus l'originalité en termes de titre. On va marquer... on va chercher... On va mettre jogging plus bottine. Ça fait un peu genre... claquette chaussette, mais version jogging bottine quoi. C'est pas mal. Allez, on passe au prochain relooking. Pour le deuxième relooking, eh bien c'est Polo Monopoly. En parlant de Monopoly... C'est des gens qui ont le Monopoly, je crois que c'est sur le truc d'Ubisoft, je ne sais plus. Et ben n'hésitez pas à me le dire, je ferai bien une partie, j'ai acheté le jeu, j'ai fait peut-être une partie grand max dessus, et puis c'est tout. Donc j'aimerais bien rentabiliser le jeu. Pourquoi pas me faire une petite vidéo dessus si vous êtes plusieurs à l'avoir. Mais enfin bon, on va créer un nouveau look pour Polo Monopoly. Ah, il y a pas mal de... Elle a vraiment des choses vraiment pas mal et originales. Par contre, je pense qu'on va... Hop, attendez, je vais tout enlever. Hop, on va tout enlever. Mais je vais déjà prendre la frange, là. J'ai envie de faire un truc avec la frange. Voilà, donc... bon, comme ça, c'est très bizarre. Mais vraiment beaucoup de choses. Bon, je vais pas prendre les choses qu'elle a sur sa dernière page, puisque je pense que c'est des vêtements, peut-être, qu'elle a utilisés récemment, donc... mais franchement, il y a... vraiment, les couleurs et tout, ça me plaît. Il y a vraiment de jolies choses. Bon... J'aime bien la veste là plus le haut là. On va quand même regarder un petit peu plus loin si j'ai pas un coup de cœur pour autre chose. Mais en termes de couleurs et tout ça, j'aime beaucoup déjà ce que j'ai pris. Non, bah on va rester là-dessus. Pour le pantalon, on va peut-être prendre ça. Après, il y a vraiment des trucs sympas quoi. On peut faire un truc original quoi. Franchement, j'adore. J'hésite même les deux pantalons là, mais du coup, on voit pas le collant. Mais à la limite, le collant. C'est pas grave. Il y a aussi ça, mais franchement, je préfère avec un pantalon. Non, on va partir sur le pantalon. On va enlever le collant en dessous. De toute manière, on ne le voit pas. Bon, après, ça dépend des chaussures qu'on va prendre. Mais... est-ce qu'on prend des talons ou pas des talons? Parce qu'avec les léopards, je trouve que ça rend bien. Parce que c'est dans les mêmes couleurs. Non, pas les baskets comme ça. Avec cette tenue, ça ne va pas. Même si les baskets sont jolies, mais pas pour cette tenue-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais j'aime bien la léopard, ça rend bien, je trouve. Ça rend vraiment bien. Alors, je pense qu'on va rester sur les léopards, j'ai envie de tester. Hop. Non, ouais, non. Eh, j'arrive pas à l'enlever. Ok, parfait. Alors, pour la coupe, du coup, bah forcément, ce sera des cheveux noirs. Après, là, il y a une petite teinte de différence. Par exemple, avec les cheveux là, bon, c'est celle qu'elle porte déjà, mais sans la frange. Bah ça passe, ça matche bien, et ceux-là ils sont trop noirs, ça matche pas. On va voir si on arrive à trouver des autres cheveux qui matcheraient avec... C'est trop bizarre ça, cette tenue. Enfin ces cheveux là. Trop bizarre. Ouais désolé, j'expérimente un petit peu. Non, bah il y a que la coupe là, la première qui matche avec, c'est la seule qui matche avec. Après on n'est pas forcément obligé de la prendre, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec la frange.
Donc on va garder la frange, on va mettre ses cheveux là. Et on va regarder au niveau des accessoires ce qu'on peut rajouter. Donc on va peut-être pas remettre les derniers accessoires qu'elle porte déjà. J'ai envie de mettre des tatouages parce que moi j'adore les tatouages. Voilà, le petit pins dans les cheveux, enfin pins. Bref, vous m'avez compris je pense. Oh, vraiment très beau collier. Dommage qu'il ne se voit pas hyper bien, mais il est vraiment beau. Il faut vraiment bien regarder pour le remarquer. Attends, ça va où? Nope. Bah, je préfère celui-ci quand même que l'autre. Ça, c'est dans les tons un peu plus rosé cuivré, alors que les autres, ils étaient un peu plus dorés. Et je trouve que le rose cuivré, comme ça, moi, j'adore déjà de une. Et puis de deux, ça va mieux avec son look. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu la mode des cils sur MSP, des cils colorés comme ça, chelou. Mais bon, je vais pas les remettre. Sinon, je pense qu'au niveau du look, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de plus. Mais on sait jamais si je tombe sur un truc sympathique. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de plus. Je trouve que le look, il est complet déjà. Peut-être là, je vois des cils noirs. Donc, avec les cils en noir. Et ouais, là, franchement, là, je valide le look comme ça. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est vraiment bien comme ça. Et le look, on va l'appeler Nope. À cause de la petite barrette. Et on passe au look suivant. Et pour le troisième look de cette vidéo, eh bien, ce sera VIP avec des petits symboles. On va lui faire un petit look. Je crois qu'elle est niveau 10. Je ne sais pas si elle va avoir beaucoup d'affaires. Mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Bon, ça va, elle a l'air d'avoir quand même pas mal d'affaires. Ça, c'est très beau. Est-ce que... Oh merde, j'ai oublié d'ouvrir le... Je viens de penser que j'ai oublié d'ouvrir le calendrier de Noël. Bon, c'est pas grave. Ok, on va tout enlever et on va lui faire un look. J'aime bien cette robe, mais ça fait peut-être un petit peu trop Noël ou trop genre hôtesse en fait. Genre dans un avion ou une hôtesse dans une entreprise prestigieuse, vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement, c'est beau, je me demande. D'ailleurs, ça vient pas du calendrier ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. S'il y a quelque chose qui me plaît bien. Ouais, il y a des trucs vraiment bien. On va peut-être faire quelque chose avec ce haut-là parce qu'il est assez original. Il m'a l'air un petit peu épais, donc il faudrait peut-être mettre quelque chose de plus épais en dessous. Ça, c'est bizarre, il y a un slip avec. C'est genre trop chelou. Ça, c'est sympa aussi. Bon, on va aller regarder. On va regarder un petit peu. Bon, on arrive au bout, mais on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait mettre avec ce haut-là. Qu'est-ce qui conviendrait de mettre avec ce haut-là? Ouais, j'aimerais bien un truc genre col roulé comme ça. Enfin, là, c'est pas vraiment col roulé, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec quelque chose qui cache le cou, ça irait bien. Ça irait bien. Bon allez, on va partir sur cette sorte d'uniforme, on va appeler ça comme ça. Je voulais mettre un collant, mais ça va pas être possible puisqu'elle n'en a pas, peut-être dans les accessoires. Ok, on va déjà regarder dans les cheveux pour mettre quelque chose. Oh! On va partir sur le vert et menthe, très jolie couleur. Des petites chaussures. Pour les chaussures, là, je pense... qu'est-ce qui irait bien avec? Oh, on peut mettre quelque chose de très, 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 très... très, très, comment on appelle ça? Très haut, très le truc bidule, je ne sais plus le mot, qu'on appelle ça. Des cuissardes, voilà, très le cuissarde. Mais je trouve que ça fait un peu too much avec cette tenue. Ça fait genre trop une tenue uniforme pour mettre avec. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur ces bottines un petit peu moutmout. Et on va regarder dans les accessoires ce qu'on pourrait trouver pour aller avec cette tenue. On va mettre peut-être un petit peu le rouge sur les joues. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cette tenue? Est-ce que les petites boucles d'oreilles fluffy, elles passent? Moi je trouve qu'elles passent, elles vont bien. En plus les chaussures sont moutmout. Ah, en noir, peut-être que ça ferait un petit rappel avec les bottines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Les petits cils, on les ajoute et je pense qu'on est déjà pas mal pour la tenue. Enfin, au niveau des accessoires, on pourrait... C'est quoi? J'ai envie de tester. C'est bizarre, c'est chelou ça. On va pas le mettre. Bah écoutez, au niveau des accessoires, de toute façon, on a fait le tour. On va la laisser comme ça. Et on va l'appeler... La queen des lutins. C'est vrai car ça fait genre l'assistante. Ah non, l'assistante des lutins. C'est sympa ça, non? L'assistante. Je sais plus comment on écrit là. Une assistante. Je ne sais plus comment on écrit ce mot. Bref, j'espère que j'ai pas fait trop de fautes. Assistante des lutins.
Voilà. Je pense que je me suis trompée dans ce mot, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous et ciao ciao.